Eh, salut les gens! Comment ça va ce soir? Est-ce que le micro marche? Alors ici, c'est un peu la fatiguitude. Ah, le boulot me fatigue en ce moment, j'arrête pas de faire des heures sup. Et surtout, y'a rien qui marche! Donc j'espère que vous m'entendez bien, que y a bien du son et qu'on va passer une petite soirée tranquille pépouze. Peut-être pas très longtemps étant donné que je suis quand même bien claquée. Mais on va essayer d'avancer un petit peu tranquille pépouze nos tentacules. Hé, hey, Cucu Sally, comment ça va? J'ai cru comprendre que toi aussi, tu as eu une journée un peu de merde aujourd'hui. Alors, charger la partie. J'espère que j'ai bien sauvegardé la dernière fois, sinon j'aurais l'air con. Ah oui, j'allais dire merde, j'ai sauvegardé le 6, mais non. Ah, le 6-21, c'est vrai qu'ils mettent le mois, puis après le jour. J'ai eu peur! Alors, qu'est-ce qu'on avait pris dans le bureau, là? Je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'on doit faire. J'ai oublié. Livre des comptes en Suisse. Qu'est-ce que je vais faire avec un livre de comptes en Suisse? Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. On n'a pas les impôts des services secrets qui sont venus nous embarquer le professeur par hasard. Hamster, fourchette, salsifis. It's back on now. There, it's off. But it's too late now. Ouais, mais on va quand même pas remettre la pollution, c'est pas bien. On n'avait pas coupé l'arbre comme quat. Hop là. Il me semble qu'on avait coupé l'arbre comme quat dans le passé. Donc du coup, je sais pas ce que ça donne. Et toi, t'es toujours là, la momie. On sait pas pourquoi, mais t'es toujours là. On a notre voleur de voiture qui est toujours là. On sait pas trop pourquoi non plus. Eh oui, il n'y a plus d'arbre. I'd like to, but there's no time. Alors... Ah non. Non, ressort de ce fucking écran. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme truc ici? De l'encre magique. Ta gueule, c'est magique. Vieille guimbarde. Moi j'aurais dit vieille bagnole, mais bon. On est perdu. On sait déjà plus quoi faire. Et alors, attendez, si je retourne un peu dans le futur. I don't want to mess with it. It's all hooked up now. I can see Dr. Fred's old lab, and his generator is still there. Gee, I could really use that power, but I'll never get through this window. Ok, tu peux pas passer par la fenêtre. Coucou le chat. Can't get close to him. J'ai rien pour attirer le chat. On verra plus tard.
I wouldn't want to waste it. I'm sorry, but no one gets to this clock while I'm here. And unless I have to go chase down some escaped humans, I'm glued to this spot. Rats. I think he's spoken for. You better believe it. Je ne sais plus quoi faire. He looks a lot like my uncle Reggie. Je sais pas si c'est un compliment pour son oncle. He might get upset. Tant mieux. When's the show going to start, my inhuman comrade? Just as soon as we get enough humans in the lobby with their tags on. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on récupère un humain pour le concours, mais je sais plus comment faire. It's already open. Je sais plus, il faut que je récupère un humain. It's already open. Comment je vais récupérer un fucking humain, moi? Dans le chenil. Non? How's it going, Mr. Tentacle Guy? Oh, same as ever. I'm broke, hate my job, etc. I'm looking for a pet. I told you, you don't want these humans as pets. And I don't want to be no pet, so meh. I'm here by accident. Bye. Ah, je sais plus comment je vais faire pour trouver un animal de compagnie, moi. Peut-être le chat, mais comment je vais attraper le chat? It's hung sort of high. I might strain myself. T'abuses, meuf, feignasse! Ils font peur, ces gens-là. Hi. J'ai peur. Non. On peut pas essayer de les tuer pour qu'ils se sauvent. I can't. My therapist and I have an agreement. Et tu m'étonnes que ton thérapeute, il veut pas que tu butes les gens. Alors comment je vais faire pour faire dégager ce putain de garde? J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je sais plus du tout. God save our queen. Alors, allons voir un petit peu à l'étage ce qui se passe. Ah oui, là il y avait des trophées. I can't, it's behind the glass. J'ai pas de maison de tartampio qui aurait pas un marteau ou un truc comme ça. Alors. Non, ici j'ai pas. Là j'ai un maillet. Marteau pour droitier. Allez. Retournons avec Kylo Ren. Peut-être qu'en allant avec le marteau, je vais pouvoir casser la vitre et récupérer un truc. Allez hop, on va tester ça. Ça va, Odin ? Ça va, ma fille ? Comment ça va, ma fifille ?
Il y a Odin qui est avec moi. Allez, on va remettre ça dans nos toilettes de l'espace. Nos toilettes temporelles. Ça va, ma Odin? Me regarde pas comme ça. Elle est pas contente parce que je pense qu'elle voudrait être sur le fauteuil. Enfin, je dis elle est pas contente. Odin est quand même une crème. Hein. Hop là. Avec les bruitages, c'est tellement merveilleux. N'empêche, je comprends pas pourquoi la meuf, elle soulève sa tentacule pour avancer. Ça sert à rien. On voit ses pieds qui dépassent, donc elle en a pas besoin pour marcher. C'est pas... c'est long, quoi. Ah là là, les enfants, on va avoir une grosse semaine. Et une grosse semaine aujourd'hui, demain en plus, demain c'est Apocalypse CP, CE1 au boulot. Il a l'air un peu con ce chat quand même, hein. Tu trouves pas qu'il ressemble à Toto, Sally? Hein? Non? Bon, on va essayer d'aller casser la fenêtre. Oh, je suis déjà en train de m'endormir, c'est terrible. Le chat noir dans le jeu, t'as pas trouvé qu'il ressemblait à Toto? Oh. Oh là là, quelle tristesse. D'ailleurs, Sally, faudra peut-être qu'on s'occupe des commandes à Camille, hein, ça serait pas mal. En espérant que les salaires arrivent. Pas vu. Heck no, I want to keep it in good condition. Putain, mais t'abuses, meuf! Now, why would I want to damage this lovely, useless trophy? Je veux pas que tu casses les trophées, je veux que tu butes la fenêtre. I can't, it's behind the glass. Mais le but, c'est de buter la vitre. Putain, t'as toujours envie de disséquer des gens, meuf, et t'es pas capable d'ouvrir une putain de vitre. Mais moi, je sais faire ça. En plus, si vous saviez comment boulot, j'ai my gagné un point de feu en almost ready. I don't want to disturb anything with Santa Claus over there eyeballing me. My secret weapon is almost ready. According to these, the tentacles control most of the world already. Nier, nier. Ah, pardon. Je me cours dans les contrôles. Faut dire que le jeu doit être plutôt conçu pour PC ou moins console. Oh, il faut que j'arrive à rentrer là-dedans. Il faut que je fasse courir ces putains d'humains. Tiens, prends du vieux vomi. Je peux pas la donner à cette tentacule à la con là. I wouldn't want to waste it. Unwise. He looks like a real stiff. Oh là 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 là, les enfants, on va pas aller loin comme ça. It looks pretty well stuck there. I wonder if that still leads down to Dr. Fred's old lab. Mec, tu veux pas te bouger? How's it hanging, Harold? Salut, Mini Clio. I'm sure I don't know. Well then, good luck. Ça va. Who needs luck when you've got beauty?
C'est bien que tu arrives. Je suis perdue. Je sais pas quoi faire. Je me souviens plus de ce qu'on a fait la semaine dernière et du coup je suis perdue. Je suis juste super fatiguée, donc c'est dur ce soir. Ouais, j'ai les rollers. Enfin, les patins à roulettes. Les rollers, c'est aligné. Allez, tiens, mec. Fous ces putains de rollers et casse-toi. That wouldn't be too useful. La momie du futur, elle est où déjà, la momie? Merde. Je sais pas où elle est, la momie du futur. Où j'y retrouve. Oh, pardon, j'ai baillé très fort. Allez, meuf. There's no way to open it. Why would I want to get through? There's no way to open it. Why would I want to get through there anyway? It's a two-story drop to the show. Looks pretty old. Je vais reprendre la manivelle au cas où. C'est jamais. Alors, ce sont les humains du concours de beauté en mode pet show. Il te faut participer, mais comme tu es en costume de ton calcul, ils te font un humain, égal la momie. Ah. Allez, on repart dans la cheminée. Pendant ce temps-là, au parti communiste... Lieutenant, I want to ask you something. It may trouble you. Ask away, sir. I can take it. I've got a strong stomach, nerves of steel, bowels of brass. So can it, son? This is important. Have any of your friends seemed a bit firm lately? Ooh, ick! You mean like non-squishy and non-slimy? That's right. Come closer. I've recently become suspicious that humans might try to infiltrate us. No! Though basically stupid, they can be tricky. They may be in disguise. Waouh! Les lumières! Pardon, je mange un bonbon. Je me suis acheté un petit paquet de bonbons pour fêter mon gras week-end, enfin mon gras week-end. Mes 3 jours de congé à partir de mercredi. Mais bon, c'est des bonbons, c'est du sucre. Ah, ni de sucre. C'est là. Allez, dégage. Je veux pas savoir ce que Harold et la momie font. Et ça te fait rire, toi, la miss. Et oui, avec le boulot, j'ai des horaires un petit peu à la con. D'ailleurs, je vais lui mettre son petit titre. Tu veux pas ta petite carte? Well, that's the Tiens. Spirit. Everyone's raring to go. Let's get this show on the road. Ah, here it comes. My finest hour. Alors, j'ai vu des choses. Je vais faire comme si je les avais pas vues. I'm sorry, but no one gets to this clock while I'm here. And unless I have to go chase down some escaped humans, I'm glued to this spot.
rats. Alors, on va retourner voir nos humains en haut et on va peut-être trouver un moyen de s'en débarrasser. De les faire courir. J'allais voir parce qu'il y avait le gros qui dormait. I don't think this guy has much of a chance. None of them do. Against me, that is. Nice outfit. Don't bother. You'll just get beat like the rest of them. Take that, mummy. And so I said to her, that's not my suction cup. You think that's funny? Listen to this. Professor Tentacule. Doctor! What is it? Is someone sick? We can't have sick humans in the show. Well, I examined them all myself. They're all perfectly healthy looking to me. Except for the dead one. Now leave me alone. Sauf le mort. Sauf le mort, je te jure. Ils sont tous en bonne santé, sauf le mort. Hey, when are you guys going to judge best hair? Oh, all right. As usual, no one competes with Harold. Agreed. Hey, when are you guys going to judge best smile? Oh, all right. Le faux vomi, c'est ça le truc dans mes... Yow, that Harold sure knows how to bear them beauties. I could see my reflection in one of his incisors. First place. Ligue de técule. Tu peux pas gagner tant que tu pimes pas ta momie. Putain, mais j'ai que ça à foutre, moi, pimper une momie! Tiens. Oh, Harold, that's gross! What are you babbling about? You really should have told the judges if you weren't feeling well. Oh, ick! Now, how did that mess get in there? I think I'm going to be sick. Someone in here not feeling well? I was feeling fine until I saw that. Is that your regurgitation? I'm an healthy human. Besoin d'aide? Didn't you just Pour say you thought you were going to be sick? J'ai mini Clio qui just a figure of speech. Jeu, mais, Do you realize you could have infected the whole show with human influenza? But mais je sais pas si I just j'ai got all my shirts. You're a good-looking human, Harold, but you know the rules. You're out of the show. Mais c'est triste. What a mess! I hate cleaning up after humans. Tu m'en diras tant. Nick Dizig, le truc qui laisse de la bave dégueulasse de partout. On peut pas la découper cette putain de momie pour la pimper. I could never do that to someone as shy and sensitive as my friend here. I'd rather not. Bah, j'aurais essayé, hein. Hop là. Alors, je pense pas que j'aurai grand chose dans ce monde là. Là, c'est la momie. Là, il y avait les trucs rétro-disco.
On peut pas prendre les affaires d'Elvis, c'est nul. On peut prendre le flamant rose. Not my style. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Il y a 58 succès dans le jeu. Ouais, mais je fais pas forcément le jeu pour avoir les succès, hein. Moi, le but, c'est de découvrir, en fait, ce classique que j'ai absolument jamais fait. J'te honte. Donc, je suis pas sûre de pouvoir trouver des trucs là. Est-ce que j'ai des trucs pour pimper ma momie par ici? J'ai une fourchette qui peut servir de brosse à cheveux, mais... Et toi, Kylo Ren, qu'est-ce que t'as, mon petit? Ah, t'as une blouse, c'est pas mal. De la peinture rouge, c'est pas mal. Une brosse et un seau plat d'eau. Une batterie. Need to get it charged first. Putain, faut la charger, ta mère en slip. En voilà. Flush my one chance of getting out of here? Yeah. Non mais t'abuses, tu l'envoies à Bernard. Bernard il la recharge et puis te la renvoie, t'abuses. Cheveux, sourire et rire. Rire, on a des dents. Dégage le dentier. Non, je voulais pas aller avec rire. Avec Bernard plutôt. Le sourire, ouais, c'est Kylo Ren, c'était le dentier. Le rire est à l'époque de Bernard, il faudra que j'aille le voir. Donc je trie. Hop, je vais déjà aller récupérer mon dentier. Sally, si t'es là, toujours là, regarde, il y a Toto. On va retourner, tu verras Toto. Et les cheveux, c'est dans les poches de Woody. Qu'est-ce qu'il a dans les poches, l'autre gros dégueulasse, là, le Kylo Ren du dimanche? Oh non, me dis pas que c'est les spaghettis. Ne me dis pas que c'est les spaghettis pour faire les cheveux. C'est pas possible. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh non. Je proteste, c'est absolument dégueulasse! La lame de Blondie va servir à Bernard. Bon, allez, on triche un peu ce soir, on s'en fout. Elle met ça dans les chiottes. Allez, Bernard, on va récupérer le scalpel et on verra. Oh non, la fourchette avec les nouilles, non! Bon, en même temps, je l'ai dit, hein, la nouille, c'est pour se coiffer, la fourchette, c'est pour se coiffer. Ah merde, non, c'est vrai que nous, notre chrono, notre truc... Tu n'es pas obligé d'aller dans les WC pour envoyer ou récupérer les objets. Ah bon? Tu lis les objets sur le personnage directement dans son inventaire? Ah bon? I'll just run to the chronogen. Ah! There's something in the chronogen. Merci, ça va m'empêcher de faire des allers-retours à la con. Alors. Salut cousin Ted. I guess not too many birds bathe in the evening. Faut peut-être mettre de l'eau. Donc, on a dit... Donc, le sourire, on l'a, puisque c'est le dentier. Le rire de Bernard, c'est chez Bernard. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc qui pourrait faire rire? I can't. Uzo's intimidating. Le rire, on n'a pas une... No use in doing that, it's empty. Tape le clown. Encore? J'ai déjà fait ça. Aïe.
Ce truc a rigolé. J'ai rien pour l'enregistrer, cette connerie, du coup. Ah mais oui, j'ai dû la mettre dans les chiottes. Faut que j'aille la chercher, je suis con. Ah, on va éclater le... Oh mais non, je veux pas éclater le pauvre clown. Oh mais quelle tristitude. Ça sent les mecs qui se sont jamais remis de ça. Enfin, je dis ça, je sais même pas en quelle année ça, il a été écrit par Stephen King et puis que le premier film est sorti avec le magnifique et l'épouvantable Tim Curry. Ah, Tim Curry. Les gens, si vous connaissez pas cet acteur qui est Tim Curry, je vous invite chaleureusement à le découvrir parce que, vain Dieu, cet acteur... Même quand il joue un gentil et qu'il sourit, ça fait peur. Et la boîte à rire. I'll use the chronogen. Hop là. C'est vachement bien ce truc pour aller là. Ça, c'est en livre en 86. Hop. J'étais pas née. Tim Curry dans l'île au trésor des Muppets. Je l'ai pas vu, mais... J'avoue, j'ai un amour-détestation pour Tim Curry. J'adore cet acteur. Mais putain, qu'est-ce que je déteste quand il sourit. Ah, mais putain, Tim Curry qui sourit. Tim Curry a joué dans Scary Movie 2. Et même... Maman, j'ai encore raté l'avion. Bon, Scary Movie, c'est largement un truc dispensable, hein. Mais maman, j'ai raté l'avion. Rocky... Non, non, non. Pas Tim Curry en porte-jartel. Non, jamais, jamais. Alors, petit curé, moi, les deux films dans lesquels il est, enfin, où il est, entre guillemets, il a joué dans... Il joue Richelieu dans Les Trois Mousquetaires de Disney. Et les enfants, si vous l'avez pas vu... Oh, pauvre chat. Si vous l'avez pas vu, cette version des Trois Mousquetaires de Disney avec Tim Curry qui fait Richelieu, tu crois qu'il a créé la sauce curry? Ah non, je crois pas. Mais ça aurait pu être une idée. Si vous avez pas vu, franchement, matez-le. En Richelieu, il est absolument extraordinaire. Il joue un espèce de Richelieu pervers qui dragonne d'Autriche. Les enfants, c'est magique. Il y en a qui ont trop regardé la petite sieste. Ah non, tu vas quand même pas bouffer ça. Non. Ah non, putain, c'est dégueulasse. Non. Pauvre hamster, non, mais c'est quoi ce jeu? Oh mon dieu. Je fais un genre que j'ai... Il a 75 ans. Ouais, Tim Curry, il a 75 ans. Et malheureusement, il a été victime d'un AVC il y a quand même quelques années. Hey, don't you think you should judge best hair again? On va pas se mentir, il s'en est pas forcément très bien sorti. Oh, all right. Parce que je crois que maintenant il est dans un, il est quand même super appareillé, hein, dans un putain de fauteuil. C'est quand même pas vieux, 75 ans, hein. Wow, that's the best hair I've ever seen on a mummy. Thick and full and juicy. The mummy wins. Agreed. Et Tim Curry aussi, il a fait du doublage dans un film qui s'appelle Zack et Cristy à la forêt de Ferme-Gully. Honnêtement, si vous ne connaissez pas ce dessin animé, je vous invite chaleureusement à le découvrir. Oh, il est vachement right. Bien. Bon, Tim Curry joue le méchant dans le film. Et évidemment, il joue Exus. Et putain... Je sais pas s'ils avaient déjà prévu de mettre Tim Curry au doublage, mais c'est tellement... Tim Curry, c'est tellement Exus. First place goes to the mummy. Agreed. Ah oui, c'est justement Tim Curry qui joue Exus. Ah oui, c'est Robin Williams qui fait Batty. Alors, je vais avouer honteusement que Zack et Cristy, je ne l'ai jamais vu qu'en français. Parce que c'est un de mes gros dessins animés d'enfance.
D'ailleurs, je suis sûre pas surprise que tu connais Mini Clio, parce que le nombre de personnes qui ne connaissent pas Zack et Krista, il est assez énorme en fait. Personne ne connaît ce dessin animé. Right. Et j'ai toujours dit qu'un jour je regarderai en anglais. Parce que justement, c'est Tim Curry qui l'excuse, mais je l'ai jamais fait parce que dès que je le fais, hey, dès que je commence just le film, flew in from j'ai pas Baltimore, le courage. And boy, are my suction cups tired. Oh, classe. Putain, ce feignasse de tentacule. It's amazing how the mummy can do that without moving his lips. I say we give him first place. Agreed. Well, that ils makes him best of show. Télé. Let's go congratulate him. Heureusement, c'est les tentacules là qui doivent conquérir le monde. Very well preserved. I'll miss his laugh. It's time to give him his winnings and start packing up. We gotta get this whole show to Baltimore by Thursday. C'est ça qui va conquérir le monde. Alors, je sais que nous, les êtres humains, on est cons. Mais alors là, les tentacules... Putain, mais ça craint tellement du boudin. Well, Ted, this is where we part ways. You've certainly helped save humanity. Even though you've been dead for thousands of years, I think you're my... C'est triste. Favorite Edison. On peut pas le repousser pour que les yeux... Pour no, que l'autre, il lui he looks après. Tired after all he's done. Mais... Alors, c'est pas que les gens ont pas passé assez de temps devant la télé, c'est juste que Zack et Krista, c'est pas connu. Ah, Lieutenant, I'm glad you're here. What kept you? Well, I hate to say it, sir, but there was some trouble with one of the humans. Trouble? What sort of trouble? Nothing I couldn't handle, but I've noticed something about the humans that may pose a problem. Do continue. Well, sir, in general, they seem to be a bit larger than us tentacles. You know, taller, heftier, more massive. And I get the picture, son. I don't mean to carry on, sir. It's just that it makes me feel inadequate, small, inferior. Before you go off the deep end there, let me tell you why I called you here. You see, I've invented something which will end our troubles with those glandular leg walkers for good. I've invented the diminuator. J'ai peur. The what? Oh, putain. It's a shrinking ray, dolt. Oh, I get it. Now I need you to get me a few parts so I can finish the thing. Come over here. Qu'est-ce que vous êtes My en train secret de foutre, weapon is almost ready. Alors, il faut du blanco pour le chat. J'ai un trophée. Je sais pas à quoi ça va servir, mais ça servira. Alors, qui c'est qui a du blanco? Le blanco... Ah, non. Ah, le correcteur. Mais pour faire quoi avec le blanco le chat? Pourquoi? Pauvre bête, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire, pauvre chat? Mais je sais pas, pour choper le chat, faut une souris. Tu veux pas dégager, toi, mec, que je puisse rentrer dans ce putain de. Dans cette putain d'horloge? Sortez-moi de là! Bon joué, Pépé le putois! Il faut déjà que j'arrive à l'approcher, la bestiole! Can't get close to him. La souris est à l'époque de Wii. Donc on va retourner voir Kylo Ren. Et on va essayer de trouver cette fameuse souris. Au grenier. Ah oui, il y a le chat qui joue avec. Mais on va voir que tu bidouilles les matelas. Oh, on va aller voir, on va voir ce qu'on peut faire. Allez hop.
Allez, Kylo Ren, il est temps d'aller torturer le chat. Allez, on ira plus vite en passant. Ah, je dis qu'on ira plus vite en passant par là, mais est-ce que je vais pouvoir passer par les fenêtres à cette époque? Dégage la mouette! Et ta gueule la mouette! Allez, on fait passer son gros bide! It's already open. Bah tu rentres, Nigo. Where am I gonna put it? Oh putain. peut-être le l'autre là. Non. Le lit qui grince. Cats dig these. Mm-hmm. Non, je suis pas assez rapide. You're hype. Mais donne le chat. Where am I gonna put it? Oh. J'avoue que cette énigme m'a toujours cassé les pompons. Ah, cats, mais bordel! Where am I gonna put it? Mais voilà, tu prends le seau d'eau, tu balances le seau d'eau sur le chat, puis c'est I fini, don't want quoi! Ça, c'est pas logique dans le jeu. Mais merde, non! Je sais même pas si c'est ça qu'il faut que je fasse, en plus. Mais non! You're hype. Non, il y a un truc qui doit pas aller là, parce que clairement, je suis pas assez rapide, je peux pas faire autrement. À tes souhaits, mec. Qu'est-ce que je peux bien... Les mecs, y'en a pas un qui veut aller dormir par hasard? Wow, doesn't even blink. Please do not perturb my... Faut échanger, mais je peux pas prendre les matelas. Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Je comprends pas. Where am I gonna put it? Tais-toi. Where am I gonna put it? Truc. Il faut échanger les deux lits, mais ouais, mais je peux pas. Longue. Where am I gonna put it? Pas les lits, les matelas, mais ouais, quand même, je peux pas aller prendre les matelas. Where am I gonna ça put change it? Pas grand chose en fait. Where am I gonna put it? Donc clairement, il me manque un truc. Pas les lits, les matelas, mais ouais. On a un seau d'eau. Normalement, tu prends le seau d'eau, tu jettes le seau d'eau sur le chat et puis ça marche. Ils avaient pas de chat, les mecs, quand ils ont fait ce jeu. Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Phrase. Utilise le matelas de Ned avec l'autre.
Bah ouais, mais je fais comment? Where am I gonna put it? Mais c'est ça, je peux pas les prendre les matelas, donc Where am I gonna put it? C'est ça que je comprends pas. S'il est évident que je peux prendre les matelas, bah je les aurais interchangés, ça m'aurait paru déjà logique, mais pourquoi? Ah. Very Spartan. Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Tais-toi. Where am I gonna put it? Ouais, mais là j'ai pas le temps de récupérer la souris. Presque, mais non, ça marche pas, j'ai pas le temps de récupérer la souris. Where am I gonna put it? Je comprends pas. Oops. Sounds like the cat's caught a moose up there. J'ai rien compris. Cats dig these. J'ai pas compris. Alors c'est peut-être plus simple quand on joue sur la pire énigme. Ouais. C'est peut-être plus simple quand on joue avec l'ordinateur, non? Peut-être parce qu'on a des boutons qui sont peut-être plus clairs, plus nets. Reviens là, le chat. Regarde, j'ai une petite souris pour toi. Tiens. Tiens, gentil chat. Yum yum. Scrumptious vermin. It's as if he'd rather scratch himself than play with this adorable rodent. He was scratching his back on the fence, I think. This ought to be good. Hop là, voilà. Blanco sur la barrière. Pocha. Quoi? Pourquoi? Pourquoi un pauvre chat? Et maintenant c'est Pépé le putois. Et... ouais, mais ça me dit pas qu'est-ce que je peux faire avec I can't get là, le to chat. It up there. Viens là le chat. Well, what do we have here? Looks like a prosthetic rodent. Another specimen. Vous voyez pas ma tête, les gens, mais elle a attrapé le chat comme un bourrin et elle l'a mis dans sa poche. Elle a mis le chat dans sa poche. Pauvre bête. This doesn't seem like the best place to start a panic. This doesn't seem like the best place to start. C'est pas le meilleur endroit pour foutre la merde. Échelle notre vieille tentacule, ça veut dire quoi? Tu vas faire quoi? Hop là. Chuckle, chuckle. This doesn't seem like the best place. Non. Ah, peut-être. Il y a encore des gens là-haut?
non, sinon c'était tout simplement le chenil comme une merde. Il est là. Le chasseur qui dit qu'il ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas de chasser des humains. Pourquoi la pauvre fourchette sur le chat? He's not even cooked. Quoi? Déconseillé aux enfants. Mais non! Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce succès de merde? Pauvre chat! Bon, on est d'accord, j'ai 3 chats à la maison, hein. Je les ai pris exprès pour pouvoir les bouffer en cas d'apocalypse. Mais c'est pas parce que moi je vais bouffer mes chats en cas d'apocalypse qu'il faut que les jeux nous incitent à bouffer les chats à la fourchette, hein! Et oh! Mes pauvres bébés. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui est là pour entendre les horreurs que je dis. Hop là. Hey, no pets. You might spook the humans. Yeah, good thinking. C'était l'idée, mec. Excel Saga, bonjour. C'est pas le chien qu'elle veut bouffer dans Excel Saga? Donne-lui le papier du concours. I don't think so. Tu veux dîner avec moi, du con? Whoa! Dinner for two at Club Tentacle? I can't wait to tell my wife. Hop, le bouton. You're free! Free to do what? Free to run wild through the woods like humans should. Big deal. Oui, on les voit tout nus dans... I said you're free, now get off your fat lazy butts and start enjoying it. Enjoy being hunted for the rest of our lives by that mustached old tentacle with a big net? If we ran off, he'd be right on our trail. If we stay here, we know we'll be warm and comfortable. Outside, we'd be eating bugs and moss. You'll be eating my fist in a second. The woods are filled with wild animals, lions, tigers. Elle a dit my fist, donc c'est mon point. Mais man, bizarrement, moi, quand j'entends my skunks. Fist, j'imagine un peu autre chose. C'est pour les... Allez. Allez. Hop. Hey, look, a skunk. Come back here, mais you mangy humans! You can't do this! This is an escape-proof facility! Il est Who con, says ce you jeu, can't il learn est anything con. From cartoons, eh, kitty? Tu as dit que les dessins animés n'apprenaient rien. Putain, tu fais maintenant les gens I think ils connaîtraient I've had plus Pépé le Putois. With Mr. Kitty. C'est plus diffusé maintenant, Pépé le Putois. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Parce que bon, faire l'apologie de l'agression sexuelle, c'est quand même pas terrible, hein. Mais... Ah, putain, ce jeu... Honnêtement, ce jeu, je le trouve super dur. Heureusement que t'es là pour aider Mini Clio et Twin on Twitch aussi. Mais oh là 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 là. It's the same generator that was in Dr. Fred's lab. Ouais, le truc à hamster. Elle est où ma prise? Hop là. Yep. I'd say that's where the juice comes out. Oh, les restes de la vieille voiture. It's beyond repair. It's beyond repair. Le débris de la machine temporelle.
Boîte de détritus. I'm not interested in tentacle junk. Mais Oh putain, pauvre bête. I don't think I can put that in the chronogon. Quoi? Pourquoi je peux pas mettre le hamster dans les chiottes? Putain, quelle misère. I don't think I can put that in the chronogon. Comment faire? Pas d'être vivant dans les toilettes. Comment faire? Il y a des trous de souris. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le trou de souris? Tiens, va faire des bébés. Non. Mais c'est hamster, tu lui fais faire des bébés! Oh non! Pauvre petite bête! Non, je proteste! Ce jeu est pour la maltraitance animale! I'm sorry to do this to you, little fella, but it's for the future of the whole planet. Mais regarde ce pauvre hamster qui se débat pour sauver sa vie! Pauvre petite bête, quoi! Ouais, Hibernatus, je l'ai vu. Oh, c'est il y a tellement longtemps. Avec Louis de Funès. Je sais plus, c'est un homme du 19e qui sort dans Hibernatus. Looks like there's some kind of rodent down there. Pauvre bête. Yep, l'aïeul de sa femme. Maintenant, il va falloir peut-être le réchauffer. C'est bien, on a des bougies. Nah. C'est parfait. Comment ça? Non, tu fais pas réchauffer le pauvre hamster. Alors, cherchons comment on peut le décongeler. Nah. Pendant ce temps-là, au Parti communiste. I got the problematic gizmo for you, sir. You mean the high frequency phragistatic generator? Yes, that one. But I'm having trouble locating the pneumo what's this? The pneumo electric deamplifier. You might try that old abandoned lab in the basement. It's hardly been touched in 200 years. Yes, sir. On met pas les hamsters dans les micro-ondes, c'est pas possible. With it, I'll be able to shrink the entire human race out of sight. Mais quelle catastrophe. Mais non. Oh là 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 là, mais ils avaient fumé quoi les mecs quand ils ont fait ce jeu? Ils se sont dit, on va prendre les trucs les plus farfelus, donc le recyclatron. Pauvre petite bête. Succès déverrouillé. Ne pas essayer à la maison. Sally, tu ne mets pas le chaud dans le micro-ondes. Those things could really pop a hamster good. Non! Récupère le hamster! Dépêche-toi! Pauvre bête. That was fun, but only because this is the 22nd century. You see, kids who put hamsters in microwaves back where I'm from get taken away from their parents and put up for adoption. So don't do it. Merci, jeune fille. C'est bien de le préciser. Ne mettez pas les hamsters dans le micro-ondes.
D'ailleurs, j'avais lu que, visiblement, sur des notices de micro-ondes, c'est stipulé qu'il ne faut pas utiliser les micro-ondes pour faire sécher les animaux. Putain. Machine à laver! On a le sèche-cheveux. On a pas la massive. Oh putain, pauvre bête. Oh non! Oh non! Pauvre bête! Alors, dans la buanderie. Pauvre petite bête. Nah. Non? It's already open. Nah. Ah, non. Tu veux pas le mettre là-dedans? It's empty. Tu veux pas mettre le micro, le... Nah. Non, tu veux pas? Bernard, qu'est-ce que tu fais encore comme connerie? Oh, puis la musique. Ah là là. La porte battante. Les musiques sont quand même superbes dans ce jeu, hein. J'ai pas de pièces de monnaie. You put quarters into the dryer there. It's a coin-operated clothes dryer. J'ai pas les clés de la voiture. J'ai rien, moi. J'ai rien du tout. It looks pretty broken. For sale, cats, two legs, the eyes, one head. Ouais. Attendez, faut que je me mouche les enfants, parce que j'ai éternué. Je me mouche. Pardon. Non, j'ai pas le Covid, rassurez-vous, pas encore. Et je dis pas encore parce que j'habite dans les Landes. J'habite dans les Landes. Et je travaille dans le Gers. It's already open. Je pense que ça va être. I don't want to carry those people around in my wallet. Bah pourquoi pas? C'est important d'avoir des photos de ces des gens qu'on aime. Non! Non! Idiot! Geek, nerd de mes deux! Hop là. Alors, chez notre ami le ronfleur. Il y a le pull. Oh, oh putain, le truc! Oh, que c'est vicieux! Oh, ta mère! Ta mère, le truc vicieux! Faut que je lui envoie ou j'ai un truc à faire dans la machine? Mais si... C'est quoi? C'est les clés de la voiture ou les clés de la maison? Les clés sont pour le voleur dehors. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais si c'est les clés de la voiture, c'est pour le voleur dehors.
Ce jeu est fou. Et heureusement que t'es là, Mini Clio, parce que je galérerais sinon le Here, truc perhaps these fou. Are your keys. Oh. Where? Gimme. Hey, thanks, pal. Keep the crowbar. Thank you, masked man. What sort of person would carry around this many keys? Drat. J'ai récupéré la maladie. Le pied de biche. Plus la pièce dans l'entrée. J'ai récupéré chewing-gum. Ah, c'est pas un chewing-gum, c'est une pièce de monnaie, c'est ça? Ah. Je croyais que c'était un chewing-gum dégueulasse, moi. Ouais, mais... C'est... dégueulasse! C'est profondément dégueulasse. Nah. C'est lui qu'on a besoin, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec la pièce? Ne mets pas cette pauvre bête dans le lave-vaisselle. La pièce, plus le lit qui vibre. Je comprends pas. Hein? Ouais, mais je... En fait, là, j'ai... Tu me donnes la solution, mais en fait, je comprends pas pourquoi il faut que je récupère le pull... En fait, il y a quelque chose qui m'échappe, donc... On est d'accord, il faut qu'on mette le hamster dans la sèche-linge pour... récupérer le hamster. Ça, on est d'accord. Mais je comprends pas pourquoi, là, du coup, on est en train de... Ew, it's soaking wet. Je veux pas savoir comment ce truc a été tout mis transpirant. I don't think I can put that in the chronogon. Wrong size. Ah, ça c'est une fonction truanderie que je sais faire. Forcer les caisses. Oh putain! Du fric, du fric. Casier. Ramassez 40 chansons qui vous appartient pas. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce pognon? Pull mouillé, plus argent, plus sèche-linge. Pourquoi? Merde, je me suis trompée.
Moi, je vais utiliser mon flouze pour acheter le diamant. J'en ai rien à foutre du pull dans la machine à laver. C'est relou. Je suis en train de faire un jeu vidéo dans lequel je ne fais absolument jamais ça. Je n'ai pas de sèche-linge et je ne vise pas de sèche-linge. On n'a même pas de savon. Non. Un peu plus tard. It's sort of hypnotic. Toi, tu vas pas me dire que le truc est encore en train de tourner là. Oh putain. Ooh, cute. Non mais. This ought to warm him up. Je viens de mettre un pull à hamster. Ce jeu est complètement barré. C'est n'importe quoi. Plus ce jeu avance, plus je sais pas si je gagne ou perds des neurones avec. Allez hop. Aïe. Et putain le hamster. Hello, Fluffums? What I need now is a vacuum cleaner. Now, why isn't there a vacuum cleaner down here? Every American should have a vacuum cleaner in their basement. I can't fit in there. Oh putain, ce jeu! Alors j'ai un enjoliveur. Qu'est-ce que je vais faire avec un putain d'enjoliveur, moi? Réfléchissons. Il faut un putain d'aspirateur. Comment je fais, moi, un putain d'aspirateur? It's done moving. It's done moving. Comment l'autre, il a piégé sa merde? Un aspirateur. Réfléchissons. Aspirateur, il y en a pas tout en haut. Il y a pas d'aspirateur qui traîne par hasard. Non. Là, il n'y a pas... God Saver Queen. Il n'y a pas d'aspirateur. Donc, si je veux un aspirateur, soit j'en construis un, soit il y en aura sûrement à l'époque de Bernard. Bon, c'est pas ça. Réfléchissons. Dans l'atelier du père Fouettard, là-bas, il n'y en a pas d'aspirateur. Alors, cherchons un petit peu. Il n'y a pas d'aspirateur par ici. Il n'y a que nos putains de chiottes temporelles.
Ça sert à rien. J'ai pas ce qu'il faut. On va remonter dans les étages, explorer un peu. On va peut-être trouver quelque chose. On sait jamais. Oh, cette baraque, c'est encore pire que chez moi. Là, on a toujours... Ok, le mec, il dort par terre. J'admire ces gens qui ont la capacité de dormir dans toutes circonstances. Il n'y a pas d'aspirateur. T'as pas d'aspirateur, ma tentacule ? Hey! What's up, Bernard? Not much, actually. Still saving the world and all that. Oh, well, good luck then. J'adore tellement le masque de Stormtrooper. Bon. T'as pas un aspirateur, toi, mon pote, par hasard? Là, il n'y en a pas non plus. Ah, réfléchissons. Il me manque des choses. Is that a W390B frivolous spending report? No, it's another 561AB negative attention statement. Ah. Say, what's the filing date for a BFD 206ZZ insufficient credit applications form? You have until midnight on the 12th working day past the first full moon after the end of your fiscal year. However, you can extend the date by filing an RPM 78 waning interest extension anytime before the close of business on the second Tuesday after the first. Hey, you can't go in there. And of course, if you're married, you'd also have to file the K7209 statement of joint intentions and declare any mutual gift expenditures. What is it? What have you done with Dr. Fred? We've got him safely locked in the next room while we go over his books. No, you can't go in and see him. And don't even think about staging some kind of rescue. Are you guys brothers? At the IRS, we're all brothers. Who's your tailor? Very funny. I'll just be moseying along. Keep your nose clean, kid. Good thing we've got Dr. Fred under wraps in the next room, huh? All that red tape ought to keep it. Thanks, but as you can see, we're sort of busy. Is that a W390B frivolous spending report? Oh putain, le prospectus. No, it's another 561AB negative attention statement. Oh, le numéro de téléphone. Ah. Alors, la tentacule modifie la constitution. Les humains sont désormais des esclaves. Oh shit. Il faut un téléphone. Il y a un téléphone là, est-ce que je peux l'utiliser? Utiliser le téléphone. Tu me jettes le gros in the way now. I better find a different one. OK, bah on va sur celui d'en bas, hein. Et si la Constitution disait d'avoir un aspirateur? Je regrette qu'il n'y ait pas de caméra dans le jeu parce que vous verriez les têtes que je tire. Et les mecs! Les mecs, il faut mettre un putain d'aspirateur dans votre constitution. Et vous voulez pas non plus mettre que les mecs doivent participer aux tâches ménagères non plus. Excuse me. Yes? Cold enough for you? Cold? Why, you don't know the meaning of the word.
I spent a winter at Valley Forge. Now that was cold. Why, my spit would freeze before it hit the ground. Cool. Extremely. J'ai rien pour écrire. Les mecs, vous voulez pas mettre un aspirateur? Yeah, Tom. Thomas. Dude, is that like the Constitution? Right now, it's just a Constitution, I'm afraid. We hit a slight creative block right after the preamble. That's why we put up a suggestion box over there. C'est ce que j'allais dire. Je donne What? Le plan What's à... going to happen? C'est ce que j'allais être en train de dire avant que tu donnes la soluce. Hop. Ah, puis ce bruit de chasse d'eau chaque fois que j'envoie un truc. Vous voulez pas faire un aspirateur? Non, on va peut-être retourner voir le docteur Fred. Dans l'horloge. D'ailleurs, lui, c'est pas Oogie, c'est Kylo Ren. En pleine crise d'adolescence. Tu me ferais pas un aspirateur, mec, par hasard? I don't wanna. I don't wanna. Non, c'est pas ça. Hey. What is it this time? What are you doing? I'm inventing you, simpleton. What's it look like I'm doing? Bonne nuit, Sally. What are you inventing? Bon courage pour demain. C'est mardi demain. It's a complex metal device designed to minimize paper entropy. Well, you might if you cut. I don't wanna. Non. Moi, je leur ai donné les plans et pourquoi ça marche pas? Comment... Enfin, vous me direz, j'en ai parlé à deux, qu'à deux, j'ai peut-être pas parlé au bon. Toi, t'es toujours en train de te peler la nouille. Yo. Hello. Yo, mec. Shouldn't you guys be working instead of just sitting there? Writer's block. We can't think of any amendments or anything, so we put a suggestion box oh, over putain. There. I don't suppose you have any brilliant ideas. No, not really. Well, I'm not surprised. Well, I gotta go, dude. Hop là. Boy, it's sure quiet in here. I wonder if there might be any ideas worth discussing in the suggestion box. Maybe somebody should take a look. Oh bah oui, tiens. Allez, les I mecs. Say, lads, I have an idea. Does it have anything to do with starting a fire? No. I was thinking it's about time we open the suggestion box. Don't you agree? Sure, George, if you say so. Yes, whatever you think is fine with us. Excellent. What's he thinking? No one of any importance has been here all day. What could be in the suggestion box? Perhaps he intends to suggest something himself. Oh. Ah, here's a suggestion. It says, George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. What do you think, gentlemen? Mm, whatever you say, mais c'est pas grave.
Your name's on it. I'm sure you must have a good reason for suggesting it. Yes. It's strange. I don't quite... Well, I'm sure I had a reason for it. If there are no objections, we shall add it to the Constitution immediately. No? Good, and so shall it be law. What's a vacuum cleaner? Ça, je... Ah. Il y en avait un qui a quand même un peu de jugeote à se demander ce que c'est un aspirateur. Me fait vraiment délirer. On dirait pas comme ça, mais il est vachement dur. Vraiment, encore une fois, Mini Cléo, merci pour ton aide, mais allez, hop. Oh putain. Pauvre hamster. Pauvre bête. Allez. Well, look at that sucker go! He just keeps running and running and running. Running? On va l'appeler Forrest Gump, le hamster. Ah. Bon, maintenant que... Est-ce que je peux repartir avec mes chiottes? Maintenant que j'ai mes chiottes qui marchent, je veux partir, je veux partir. Je sais pas, moi je veux juste repartir les toilettes. It's already open. It looks ready to go. I don't want to get locked out. Well, I'm all ready to go, but I guess I have to wait for Bernard and Hoagie. Donc toi, meuf, c'est bon. Alors, toi, t'as ta connerie, mais il faut la charger. Réfléchissons, réfléchissons. Qu'est-ce que je peux faire pour charger cette merde? Je réfléchis. Je réfléchis. Oh, alors non, on va arrêter de réfléchir et on va s'arrêter là pour ce soir. Parce qu'on joue depuis à peu près une heure et demie et moi je suis quand même fatiguée. Donc on va peut-être pas exagérer parce que je voudrais pas me coucher trop tard non plus. Voilà, donc on a quand même bien progressé. Ce jeu est complètement dément. Honnêtement, en niveau... Enfin, point and click, même s'il est hyper dur, je trouve que franchement, au niveau des énigmes, les trucs sont tordus, mais si bien trouvés. C'est vrai que je fais beaucoup de point and click, et c'est vrai que c'est souvent des enquêtes policières, et c'est très... On met sa main devant la bouche quand on rote et on dit pardon. Hein? Ou Abdoulaye? Faut choisir, hein? Donc voilà, donc on va arrêter. Sauvegarder la partie. Oui. 70% du jeu, hein? On essaiera peut-être de faire ni finir la semaine prochaine, on verra. Donc voilà. Mais. Gros dégueulasse, va. Si ta mère était là, elle t'en mettrait une. Ok, bah c'est super cool, Mini Cléo. Donc, en attendant,
Je vous donne rendez-vous jeudi soir à 21h pour finir post-mortem et peut-être commencer un autre jeu, hein? Peut-être. J'espère qu'on finira post-mortem rapidement et peut-être commencer autre chose. J'envisageais potentiellement de faire le point and click des piliers de la Terre. On verra, je suis pas encore décidé. On verra d'ici là. Et vendredi, vous retrouverez la chouette pour un nouveau jeu. Pareil, elle sait pas encore quoi, puisqu'elle a fini The First Tree la dernière fois. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit. Et on se donne rendez-vous jeudi. Allez, salut! À bientôt!